courbaturée. Oh, je me sens comme si je m'étais fait passer sur le corps par un gros, gros camion. Ouf, c'est pas tellement surprenant, hein? J'ai dansé toute la nuit, presque. Et je suis allée dans un party de danse. Tout le monde avait apporté des disques puis des cassettes de leur musique préférée. Oh, c'était super le fun. Ça faisait longtemps que j'avais pas dansé comme ça. Mais j'ai pas réalisé que j'y allais un petit peu trop fort. Ce matin, par exemple, je le réalise. Je me demande ce que Bibi fait. J'ai mal à la tête aussi. Ouf, les parties du jour de l'an. C'est le fun, mais c'est fatigant. Je vais avoir besoin de beaucoup de calme, moi, aujourd'hui, pour me remettre sur le piton. Mon auto! Mon auto est prise dans un banc de neige. Il va falloir que j'aille pelleter aujourd'hui pour la sortir de là. Oh, citron! Bibi, c'est 999-448, c'est ici! Bibi, pourrais-tu baisser le ton, s'il te plaît? Pourquoi? T'es occupée, Geneviève? Non, je suis pas occupée, je suis fatiguée. Ah! Puis j'ai mal à la tête aussi. Ah! Ah bon? Idée aussi d'arriver toujours en criant. Mais Geneviève, je crie pas. Je te salue. Si je faisais ah! Oh. Là, ce serait crier. Bibi, je t'ai demandé de baisser le ton. T'as pas besoin de me faire une démonstration de tous les cris que tu es capable de pousser. Mais Geneviève, qu'est-ce que t'as? Je suis fatiguée. J'ai pas assez dormi. Et puis, j'ai mal à la tête. T'as pas assez dormi? Pourquoi? Parce que je suis allée dans un party hier. Ah! Tu t'es couché trop tard? Pourquoi? Parce que t'es allée dans un party. Ah oui! Oui, oui, ton party de danse! Ah oui, est-ce que c'était agréable? Geneviève, est-ce que c'était agréable? Oui, c'était très agréable. Ah. Geneviève, pourquoi ça t'a mis de mauvaise humeur, ton party agréable? Ben, je suis pas de mauvaise humeur. Ah bon? Mais pourquoi tu veux pas que je parle? Pourquoi? Tu me parles pas, là, Bibi. Tu me poses des questions. Ah! Bibi, tu devrais prendre une résolution cette année. Hein? Plus poser de questions. Hein, une résolution, c'est quoi? Oh. Hein? Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Examen réfléchi, divers aspects d'une question. Ah, réfléchi, marque de la réflexion. Bonbon. Et voilà. Alors, je comprends ça, puis ça, oh, puis ça aussi. Bah, mais je comprends tout, moi. Je comprends tout. Je sais ce que ça veut dire prendre une résolution. Ça veut dire décider de faire quelque chose et pas changer d'idée. C'est ça. Ben, pourquoi je cherchais le sens de ce mot-là? Moi, je me souviens plus. Pourquoi? Ah! Je me souviens! C'est parce que Geneviève m'a dit... Tu devrais prendre une résolution pour la nouvelle année, Bibi. Plus poser de questions. C'est pour ça! Ben oui!
Je vais prendre une résolution. Prendre la résolution de plus poser de questions puis pas changer d'idée. Oh, je pense que ça va pas être très facile. Moi, je veux toujours poser des questions à Geneviève parce que Geneviève, c'est ma meilleure répondeuse de questions. Je sais pas comment je vais faire. Je le sais. Pour m'empêcher de lui poser des questions, je vais décider de plus lui parler. De plus lui parler du tout. Et puis je changerai pas d'idée. Comme ça, je ferai pas l'erreur. Allô, Bibi, comment ça va? Oh, t'es en pleine recherche. Qu'est-ce que t'étudies, Bibi? Youhou! T'es dans la lune? Qu'est-ce qui se passe, Bibi? As-tu avalé ta langue? Bibi, est-ce que c'est un jeu que tu joues, là, ou quoi? Bibi, je te parle! Mais pourquoi tu veux pas me répondre? T'es fâchée contre moi. T'es fâchée contre moi parce que j'étais pas de bonne humeur ce matin puis que je t'ai pas parlé très, très gentiment. Je m'excuse pour tantôt. Mais Bibi, pourquoi tu me réponds pas? Mais pourquoi tu veux pas me parler? Mais pourquoi tu veux pas me pardonner pour tantôt? Pourquoi? 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 Arrête avec tes questions, Geneviève! Tu vas me faire manquer ma résolution! Ah! Hein? Citron! Geneviève est pas là? Je vais aller faire un tour sur la terre. Mais non, je devrais plutôt dire sur la neige. C'est plein, plein, plein de neige partout, partout, partout. Puis c'est plein de neigeuses aussi. J'en ai vu au moins 10. Je les ai regardées longtemps, longtemps. Ça m'intéressait énormément. Puis aussi, j'ai vu le dos de Geneviève. Elle était drôle, le dos de Geneviève. Je l'ai presque pas reconnue tellement elle était recouverte de neige. Je la regardais, puis là, il y a un drôle de camion qui est arrivé. Il s'est placé juste à côté de l'auto de Geneviève, puis il s'est mis à faire un bruit comme ça. Je ne savais pas ce qu'il faisait, là. Je voudrais le demander à Geneviève, mais à cause de ma résolution de pas poser de questions, mais je peux pas. Bibi? Bibi! Bibi, je t'ai vu. Allez, viens, je veux te parler. Oui, Geneviève? Bon, t'as retrouvé ta langue. Hein? Je l'avais pas perdu, Geneviève. Je tenais mes résolutions. Quelle résolution, Bibi? Ben, la résolution que tu m'as dit de prendre, là. De plus poser de questions. Oh, mais Bibi, j'étais pas sérieuse. C'est parce que je manquais de patience ce matin. Ah, là, ça va mieux maintenant, Geneviève? Oui, ça va mieux. J'ai pris un bon bain chaud pour bien détendre tous mes muscles. Ah! Mais c'est fou, hein? J'ai l'impression que j'oublie quelque chose de très important, mais je sais pas c'est quoi. Geneviève? Oui? J'ai une question à te poser, mais je veux pas briser ma résolution. Bibi, si tu veux savoir mon avis, là, oui. Je pense que ta résolution, là, c'est pas très réaliste. Plus poser de questions. C'est absurde, Bibi. Comment tu vas faire pour apprendre la Terre si tu me poses plus de questions? Oh, c'est vrai, ça, Geneviève. Bibi,
Peut-être que tu pourrais changer un petit peu ta résolution et puis décider de poser un peu moins de questions. Et puis surtout de les poser à un meilleur moment. Oui, c'est ça. Mais maintenant, là, est-ce que c'est un bon moment pour poser une question? Oui, c'est un très bon moment, Bibi. Bon. Comment ça s'appelle les camions qui font... Oh, Bibi, t'es pas possible. C'est des remorqueuses qui font ce bruit-là. Les remorqueuses? C'est comme ça que ça s'appelle. Oh oui. Avec les lumières qui tournent, là, puis les gros crochets pour accrocher les autos, puis les chaînes. C'est ça, Bibi, t'en as vu une? Oui, j'en ai observé une très attentivement. Ça m'intéressait parce que, justement, elle remorquait une auto que... Bibi! Quoi? Mais c'est ça que j'oublie. Il faut pas que j'oublie d'aller déplacer ma voiture si je veux pas me la faire remorquer. Excuse-moi, Bibi. Je t'ai interrompu. Qu'est-ce que tu me disais? Je disais que ça m'intéressait, les remorqueuses. Bibi, tu vas m'excuser, là, mais il va falloir que j'y aille, OK? Tu vas où? Ben, il faut que j'aille déplacer ma voiture. Non, Geneviève. Pourquoi non, Geneviève? Ben, parce que... Qu'est-ce qu'il y a, Bibi? Ce que je voulais te dire tantôt, là, c'est que ça m'intéressait, les remorqueuses, hein, parce que, justement... Bibi, tu m'expliques quoi? Oui, je finis, là. C'est parce que j'en ai vu une qui déplaçait une auto que je connaissais très bien. Bibi, veux-tu que tu m'en parleras un petit peu plus tard, là? Une auto que tu connaissais très bien? Quelle auto? Oui, une auto que je connaissais très, très, très bien. Quelle auto, Bibi? Ton auto, Geneviève. Mon auto? Oh, citron!